Une fin de semaine sans enthousiasme sur les places européennes, la faiblesse des cours du pétrole faisant toujours craindre un ralentissement de l'inflation. On a donc terminé ce vendredi dans le rouge à la clôture des marchés parisiens. Le Stoxx 600 perdait 0,43% à 387 points. À Londres, le FTSE reculait de 0,25% à 7420 points. À Francfort, le DAX perdait 0,77% à 12 697 points. Enfin, de son côté, le CAC 40 reculait de 0,45% à 5 257 points. Du côté des plus fortes hausses du CAC 40, nous retrouvons Lafarge Holcim plus 0,86% à 51,57 € et Engie plus 0,83% à 13,90 €. En revanche, à la baisse, nous avons Valeo, moins 1,58% à 61,04 € et Renault, moins 1,39% à 80,12 €. Côté devise, pour finir, à la clôture de Paris, 1 euro s'échangeait pour 1,1194 $ et 1 dollar valait 111,28 yens. À la Bourse de New York, c'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Passez un excellent week-end et à la semaine prochaine.